La chaîne de télévision France 24 a relancé dans un reportage la question de savoir si la France devait s'inquiéter d'une éventuelle crise financière. La polémique sur la contagion de la crise financière de la zone euro vers la France a atteint son paroxysme avec la publication d'un article intitulé « La France sous la menace de la crise financière » paru dans le journal du dimanche. L'un des économistes américains de renom avait constaté le 19 novembre que la situation de la France n'était guère meilleure, à beaucoup égards, par rapport à d'autres pays de la zone Europe. En effet, la France reste toujours l'un des pays les plus endettés de la zone euro. La dette de la France s'élève à 1 500 milliards d'euros. Le déficit budgétaire de la France avec 1 502 milliards d'euros est équivalent de 7,7% de son produit intérieur brut. À ce tableau noir s'ajoute un autre défi. Les banques françaises ont beaucoup plus que les autres banques européennes investi dans les pays dont la situation économique est précaire.